Bonsoir. Maire de Saint-Orens de Gamville, députée depuis 3 semaines bientôt, et puis voilà secrétaire d'État à la ruralité depuis lundi. Donc, un changement, vous vous en doutez, profond dans ma vie. Une immense reconnaissance, un immense honneur, un cadeau que la République m'a fait dimanche soir quand la Première ministre m'a appelé à 20h pour me dire qu'elle me proposait ce portefeuille. Vous m'avez entendu pendant toute la campagne des législatives dire à quel point j'étais un pur produit de l'ascenseur social. Dire à quel point, quand j'ai été élue députée, j'étais fière de ce mandat. Et quand nous sommes arrivés avec Hubert, que je veux remercier, mon époux, lundi 20 juin 2022 à l'Assemblée nationale, il y avait, vous l'imaginez, une émotion incroyable. Quand 2 semaines après, la Première ministre m'appelle, allô Dominique, c'est Elisabeth Borne, et qu'elle me tutoie et qu'elle me propose ce portefeuille, je vous avoue que je n'ai rien dit, à tel point qu'elle m'a dit « allô, allô », craignant que je sois partie. Donc, cet honneur qui m'a été fait, évidemment, à cet instant-là, je me suis dit « mais... c'est juste incroyable, je regrette que mon papa, ma maman, j'ai perdu mon papa 18 ans, ma maman, vous le savez, en 2015. Et j'ai encore mon oncle, qui sera là ce week-end avec nous, à 94 ans. Et donc, une immense fierté. Je mesure à quel point la charge est lourde sur mes épaules, la chance qu'il m'est donnée de prouver qu'on peut... être heureux dans nos territoires ruraux, ne pas avoir cette impression d'être les abandonnés de la République. Je porte là ce petit pins que le président de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, que j'ai reçu au ministère ce matin, qui a été mon premier rendez-vous, m'a remis et j'ai dit ce soir, j'ouvrirai ce conseil municipal avec ce petit pins. En presque 2 heures de réunion, on s'est dit beaucoup de choses, vous imaginez que j'ai beaucoup écouté. J'ai compris les enjeux de ces 6 mois, les enjeux de ces 12 mois, les enjeux de ces 18 mois qui sont devant nous. Et j'ai mesuré à quel point l'attente était forte. Donc quand je vous dis que je mesure à quel point la charge est lourde, elle est très lourde. La ruralité, c'est 20 millions d'habitants, un tiers de la population française quasiment, et c'est 88% du territoire français. Je ne vous en dirai pas plus, parce que ce n'est pas l'objet, mais je voulais quand même vous en dire quelques mots, que vous compreniez à quel point l'enjeu est important pour ce petit portefeuille de secrétaire d'État, mais combien il est important pour ces 20 millions de Français qui attendent que le gouvernement leur donne des preuves. Pour conclure sur ce premier point, vous dire que le mot que j'ai trouvé, que j'ai redit 2 ou 3 fois cette semaine, c'est que la ruralité, c'est la vie. Pourquoi c'est la vie ? Parce que tout simplement, c'est la ruralité qui nous nourrit. Et puis, il y a seulement 20 ans, 30 ans, toutes les grandes métropoles de France étaient habitées par des gens qui venaient de la ruralité. À Paris, on ne pouvait pas aller dans un hôtel parisien, petit, grand, moyen, qui ne viennent pas en grande partie de l'Aveyron ou d'autres territoires. Mais il y a 20 ou 30 ans, notre France allait vers les métropoles, mais elle venait du rural. Donc beaucoup de nos Français, en plus de ces 20 millions qui vivent en environnement rural, beaucoup des Français viennent d'un environnement rural, même ceux qui vivent aujourd'hui dans des grandes villes. Donc la ruralité, c'est la vie. La ruralité, c'est mes origines. Vous le savez, je suis audoise, petite fille de viticulteur de l'Aude. J'y vais lundi, j'y ferai mon premier déplacement ministériel.
Le préfet de l'Aude m'a concocté un programme dans la haute vallée de l'Aude, des villages de 200, 300, 500, 800 habitants, qui sont où il est très difficile de vivre et de plus en plus difficile de vivre et d'être heureux et de rester sur ces territoires. Donc la ruralité, c'est la vie. Mon deuxième message, c'est merci. Parce que si la République m'a proposé aujourd'hui, le président de la République, la Première ministre et la République me proposent aujourd'hui ce portefeuille, c'est d'abord et avant tout grâce à vous, vous tous. Pourquoi ? Et ce n'est pas de la forfanterie, ce n'est pas de la flagornerie. En 2012, quand je vis cette première expérience d'élection législative où je n'appartiens à aucun parti politique, je n'ai jamais fait de politique de ma vie, c'était il y a juste 10 ans. Ces deux personnes, Jean-Luc Moudenc, Alain Chatillon, qui pensent à moi, en se disant, c'est une femme, elle est courageuse, elle est combattante, elle a des choses à raconter, elle a une expérience professionnelle intéressante. Et ils pensent à moi et je les en remercie. Je fais une campagne absolument merveilleuse, rien à voir avec d'autres campagnes ou d'autres victoires ou échecs politiques qui ont pu être douloureux. Je perds cette élection législative contre une belle personne, Kader Arif, avec qui on a fait une campagne incroyablement constructive, respectueuse. Et finalement, quand la suite, les Saint-Auranais me demandent, 6 mois après, d'être tête de liste sur la ville de Saint-Aurin. Là encore, j'étais repartie dans ma vie professionnelle. Je réfléchis, toujours pareil, je consulte. Hubert, où es-tu ? Et je dis oui. Et ensuite, cette aventure commence. Les Saint-Auranais nous élisent collectivement. Je n'habite pas Saint-Aurin, je viens habiter Saint-Aurin 1 an avant pour m'imprégner, humer, comprendre les difficultés qui existent dans cette ville et nous bâtissons collectivement un programme qui nous amène en mars 2014 à gouverner la ville. Et depuis, je pense que si aujourd'hui on me fait cette proposition, je pense que c'est en très grande partie parce que je pense on a pu observer le travail qui a été fait par toute cette équipe sur la mairie. On a pu observer le travail que j'ai fait pendant ces élections législatives qui ont été extrêmement difficiles, mais elles aussi extrêmement respectueuses. Et on a pu voir à quel point j'aimais les territoires ruraux, j'imagine. Et donc, aujourd'hui, le plus grand merci, c'est le merci aux Saint-Auranais, à vous tous qui êtes venus incroyablement nombreux aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu envie de saluer, et j'en ai vu déjà quelques-uns, le monde associatif. Le monde associatif, j'y ai grandi, le sport, la culture, l'environnement, les associations caritatives, toutes fonctionnent grâce à du bénévolat, du don de soi. Et très vite, petit à petit, avec mes collègues, on est allé dans 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Le monde associatif à Saint-Aurin nous a dopés, nous a donné envie d'avancer, nous a donné envie de donner le meilleur de nous-mêmes, parce qu'eux donnent le meilleur d'eux-mêmes dans des causes, encore une fois, qu'elles soient caritatives, environnementales, sociétales, culturelles ou sportives. Mon troisième merci, c'est bien sûr les agents de la commune, ils sont quelques-uns ce soir. Et je vous m'entendais le dire, c'est pas nouveau pour vous ce soir, si on arrive à faire des choses sur la commune, c'est bien parce que nous, l'équipe municipale, travaillons avec main dans la main, avec beaucoup d'engagement avec les agents de la commune. Et le don de soi, c'est pas que les bénévoles du monde associatif, c'est aussi les agents de la commune qui donnent beaucoup, beaucoup le meilleur d'eux-mêmes et qui font que cette ville, on est en train de la faire progresser, de la moderniser, de la transformer, de l'adapter à notre société. Donc un grand merci à vous, les agents de la commune qui êtes là. Et puis, pour finir, je l'ai un peu dit, mais c'est bien sûr un immense merci à mes collègues.
parce qu'on n'arrive à rien, évidemment, tout seul, vous le savez. On est une équipe municipale qui avons souffert au précédent mandat, même si on est resté en très, 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 très grande partie soudés. Et là, on est extrêmement soudés. On a du plaisir à être ensemble. On a même le premier adjoint qui nous a rejoint pour la rencontre avec les agents, qui est toujours avec nous, près de nous. Donc, on est une équipe soudée. Et c'est vrai que c'est important pour moi de vous dire ce soir que c'est à vous aussi et en très grande partie que je dois cet immense honneur qui m'a été fait depuis lundi. Alors ensuite, je voudrais dire un merci tout particulier à Serge Jop, parce que je lui dois un peu plus qu'à tous les autres. Je vous dis quelques mots sur mon collègue, que j'apprécie, que j'estime. Serge Jop, pour mes collègues, vous m'avez déjà entendu vous le dire. Serge Jop, c'est un homme de devoir. Moi qui ne suis pas ni fille de militaire ni militaire, eh bien j'ai compris ce que c'était que le sens du devoir. Il me l'a appris. Le sens des responsabilités, on l'a dans le monde de l'entreprise, on l'a dans le monde des associations, mais on l'a encore plus quand on fait la carrière qu'il a faite. Le sens du service public. Le sens des responsabilités, je l'ai dit, et le sens de l'intérêt général. Serge Jop, c'est un homme courageux. C'est un homme, quand j'avais peur, parfois, en sortant de la mairie, au précédent mandat, plusieurs fois, qui sait, parce que j'ai pu travailler jusqu'à des heures tardives, et bien, il s'est relevé pour venir me rassurer, parce que j'avais peur de sortir, parce que j'entendais un certain nombre de bruits, et que la police municipale, qui me protège bien depuis 8 ans, me dit que à la fois les policiers, à la fois les élus locaux, eh bien, il faut qu'on soit prudent. Donc, Serge Jop, c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un, comme moi, je pense, qui sait surmonter des difficultés. Des difficultés, il y en a plein. On voit les joies, on voit, mais on ne voit pas les difficultés que l'on a en tant qu'élu local, en tant que maire. Et moi, je pense être quelqu'un qui, parce que j'ai fait peut-être du sport de compétition et que avoir été mené, avoir manqué perdre un certain nombre de marches et les avoir gagnées après, ben ça m'a appris que des difficultés, des situations difficiles, eh bien on peut toujours, si on y met l'énergie, le travail, on peut les surmonter. Parfois, on n'y arrive pas. Ça s'appelle un échec. Mais on apprend tellement de ces échecs, dans le sport, mais dans tout. 2 élections législatives, j'ai échoué. J'ai appris. Serge Jop est un homme de devoir, c'est un homme courageux, c'est un homme loyal, la loyauté. Alors, c'est vrai qu'on rencontre heureusement encore beaucoup de gens loyaux, mais il l'est particulièrement. Il est loyal, et je ne prendrai qu'un exemple, dans le fait qu'il avait une expérience bien supérieure à la mienne, il avait était dans l'opposition, mais il a toujours, toujours, toujours été respectueux des décisions collectives ou de mes décisions. À un moment donné, on va dire la plupart du temps, les décisions sont collectives au sein de la majorité, mais parfois, on n'arrive pas à trouver ce consensus, ce compromis, et à un moment donné, c'est au maire d'arbitrer. Serge a toujours été le premier à dire « on se soude derrière la décision » du maire, on se soude derrière cette décision collective, même si, parfois, cette décision collective ne lui correspondait pas à lui, personnellement. C'est un homme de devoir, c'est un homme courageux, c'est un homme loyal, et puis, c'est un homme d'expérience. Alors, moi qui suis quelqu'un qui croit à la valeur travail, vous comprenez bien que je crois tout autant qu'à la valeur travail, à la valeur expérience. Et il a d'abord une immense expérience de la vie. Il a l'expérience de la souffrance. Il a l'expérience politique d'être dans l'opposition d'un conseil municipal. Il a l'expérience d'être dans la majorité. Il a l'expérience de la vie métropolitaine, puisque nous y sommes ensemble à la métropole. Et
Vous le savez, beaucoup, beaucoup de sujets échappent au champ municipal et sont des sujets qui relèvent de la métropole, et il a cette expérience. Et puis, sur le plan affectif, c'est lui qui a l'idée, quand je perds les législatives de 2012, de se dire peut-être que Dominique, elle est capable de fédérer un certain nombre de belles personnalités, Jean-Pierre, Alain, et puis un troisième. Et donc, c'est dans sa tête que ça naît, et donc l'idée que je sois peut-être un jour maire, et vous l'avez compris, je lui dois un peu plus qu'à vous tous. Donc, je vais passer le témoin, il va y avoir une élection. En conclusion, pour ne pas être trop longue, je veux vous dire mon immense attachement à Saint-Aurens. Je vous l'ai promis quand j'étais candidate aux législatives, je vous le promets en tant que secrétaire d'État à la ruralité. Alors, j'ai imposé à mon suppléant, devenu député, il le sera le 5 août, mon suppléant, je lui ai imposé l'habit de Villefranche. Il aurait probablement eu envie de mettre sa permanence parlementaire à Villefranche. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit, j'ai pris l'engagement, ça sera un lieu dans lequel je viendrai boire un verre avec toi. Et donc cette permanence parlementaire que j'avais choisie, qui est juste en face de la mairie, qui est conclue, eh bien, il va prendre le relais et ma permanence, sa permanence, restera à Saint-Aurens, comme je m'y suis engagée. Je suis extrêmement attachée, vous le savez, à l'écoute, la proximité, parler aux gens, tous, tout le temps, aimer les gens. Et vraiment, je veux vous dire à quel point j'ai confiance sur le fait que toute l'équipe que vous avez ici, y compris l'opposition, ils l'ont démontré, aiment les gens, aiment les Saint-Aurannais, on aime, et sinon il ne faut pas vouloir être élu sur une commune. Et je veux que vous ayez confiance dans le fait que oui, je vais être beaucoup plus absente, je vais être moins présente, je vais être très 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 chargée et très occupée, mais j'aurai toujours des moments où je serai présente à Saint-Aurens, ça restera ma ville de cœur, ça restera la ville dans laquelle je viendrai au spectacle, je viendrai pratiquer le sport, c'est ma ville. J'ai construit avec vous et pour nombre d'entre vous une relation un peu particulière. Et je ne pense pas que cette charge m'éloigne de vous, même si elle va m'éloigner sur le plan du temps. Elle ne m'éloignera pas au niveau du cœur, au niveau de la pensée et au niveau de mes présences quand je serai évidemment sur notre beau territoire d'Occitanie, puisque j'ai cru comprendre qu'un secrétaire d'État, ça devait en très grande partie vivre à Paris. Et donc c'est aussi, quand je vous disais, un changement de vie. C'est un vrai changement de vie sur lequel on a déjà commencé à travailler avec Hubert. Mais enfin, on va rester ici. Je vais faire du sport ici. Je vais aller à l'Altigone ici. Mes collègues vont me dire, Dominique, il faut que tu sois là tel jour, telle heure, et je serai là. Et puis surtout, bien sûr, je reste conseillère municipale. Donc, quand j'ai été élue députée, je leur ai demandé gentiment s'ils voulaient bien déplacer les conseils municipaux du mardi au lundi. Parce que le lundi, quand on est député, on peut rester plus facilement. Et les travaux à l'Assemblée démarrent le mardi. Là, je ne suis pas sûre que je vais vous demander de le déplacer du mardi au lundi, parce qu'au ministère, les travaux ils démarrent lundi à 8 heures. Donc on verra. Le calendrier est fait longtemps à l'avance. Je m'organiserai quel que soit le jour. Donc, a priori, je ne vous demande pas de le déplacer du mardi au lundi. On peut le laisser le mardi. Et je ferai mon maximum pour être là. Pour finir, ma conclusion, elle est sur le ensemble. Autour duquel j'ai fait campagne pour les élections législatives. Ce mot, il prend toute son importance aujourd'hui, où le gouvernement n'a pas la majorité au Parlement, et où, si on n'est pas ensemble, on n'arrivera pas à grand-chose. Donc cette force de conviction, cette capacité à amender les idées que l'on porte, à prendre en compte ce que des groupes politiques ou ce que des opposants ou ce que des citoyens nous appellent à faire, eh bien, je pense que ça n'a pas beaucoup d'issue. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je vais
tout faire pour réconcilier les territoires ruraux avec les élus nationaux. Je vais essayer d'être une secrétaire d'État très proche, très présente. Un rendez-vous par semaine, par région. Il faut que dans 3 mois, j'ai vu toutes les régions. J'ai fait un rendez-vous par région. Bien sûr, plein d'autres. Mais à minima que j'ai vu toutes les régions. Mais cette proximité et ce ensemble, il est devenu absolument nécessaire. Donc, je remercie une toute dernière fois tous mes collègues. Je remercie une toute dernière fois vous tous d'être venus si nombreux. Et je vous embrasse tous de façon la plus chaleureuse possible. Je vous souhaite le meilleur et je resterai toujours au travers de la mairie et au travers de mes collègues à votre disposition. Merci à tous. Oui. Bon, je vais donc ouvrir ce conseil municipal du 7 juillet et je vais faire l'appel. Dominique Faure, présente. Jean-Pierre Godefroy, présent. Carole Fabre. Serge Jop. Colette Crouzeil. Anissé Kounougous, Josiane Assuspiga, Étienne Lourme, Agnès Mestre, Jean-Luc Dupressoir a donné procuration à Ben Arat, Marie-France Taburio, André Puy, Alice Valera a donné procuration à Pierre Audoubert, Geneviève Fernandez, Pierre Audoubert, François Texier a donné procuration à Geneviève Fernandez, Thierry Arcari, Ben Arat, Sophie Clément, Florence Ossenac, David Révazé, François Hubeda, David Andrieux, Élise Rimbaud, Samila El Marcouzi, Fabien Jacquel, Béatrice Delpy, Aude Limo Préceptiste a donné procuration à Louis-Antoine Vergniaud, Louis-Antoine Vergniaud, Marc Moreau, Catherine Leclerc, Olivier Artero, Rachida Arach. Je vous remercie. En tant que doyen de cette assemblée, il m'est donc demandé de faire procéder à l'élection d'un nouveau maire. Mais auparavant, Madame la ministre, Madame le maire, cher Dominique, quelle histoire, quelle aventure, quel parcours. Alors je voudrais d'abord te redire toute notre fierté et celle des Saint-Oranais. La députation, tu l'avais voulu, tu t'étais battu et tu y es parvenu. Ce poste, ce portefeuille de ministre, nous savions qu'un jour ou l'autre, il devait échoir. Mais nous ne pensions pas que ça arriverait aussitôt. Il est manifestement, il constitue manifestement le résultat de tes mérites, de ta loyauté, de ta persévérance et de ta compétence. Alors évidemment, cette fierté est teintée d'un peu de tristesse à l'idée de te voir t'éloigner de nous. Mais nous savons que notre mère ne coupera pas le cordon ombilical. Et tu avais, il y a quelques jours, tu viens d'y faire allusion,
fixer ta permanence parlementaire à deux pas de la mairie. Et d'après ce que j'ai compris, elle y restera. Et tu nous as promis de revenir le plus tôt possible, le plus souvent possible, à Saint-Orens et en cette terre lauragaise que tu aimes tant. Alors je voudrais d'abord te remercier pour la formidable énergie dont tu as fait preuve au cours de ces 8 années. 24 heures sur 24, 365 jours par an, matin, midi et soir. À tel point que certains de tes collaborateurs, si vous me permettez cette expression, qu'ils fussent élus ou agents de la collectivité, avaient parfois des difficultés à suivre. Mais tu avais une expression qui, parfois aussi, adoucissait la rudesse de l'exigence. Tu disais, je vous demande de faire ceci ou cela, mais si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave. Car effectivement, tu as un sens très aigu des relations humaines. Pendant tout ce temps, tu as été en permanence au contact de tes concitoyens, dans les réunions publiques, dans les réunions de quartier, dans les réunions associatives, dans des rencontres opinées ou dans des rendez-vous à la mairie. Ta porte a toujours été constamment ouverte. Tu avais décidé une fois par mois de recevoir sans rendez-vous, d'assurer une permanence sans rendez-vous sur le marché de plein vent. Et tu exigeais que tout courrier adressé à la mairie par un administré reçoive une réponse dans les 15 jours. Troisième trait de ton tempérament, c'est évidemment ce féroce besoin que tu as d'entreprendre. Et là, quel bilan! Si on remonte au mandat précédent, ce fut d'abord la réalisation de ce magnifique espace lauragais où nous sommes ce soir. Puis ce fut le cœur de ville et les halles gourmandes et sportives. Puis ensuite, ce qu'on appelle la MAM, la maison des activités multidisciplinaires. Ce magnifique bâtiment, ce magnifique vaisseau d'un demi-hectare qu'on nous envie et qui est destiné en particulier à recevoir des rencontres sportives régionales, nationales ou internationales, et qui d'ailleurs, pour certaines disciplines, a été choisi comme centre de préparation pour les Jeux Olympiques de 2024. Au cours de ce mandat-ci, ça a été, parmi des projets qui sont en cours ou des projets futurs, la rénovation du château Catala, bientôt celle de la Villa Masso, puis la réfection de la place Jean-Bélière, du hall d'Altigone, et aussi la construction de ce 4e groupe scolaire à l'Orée du Bois. Mais la liste n'est pas exhaustive. Je pourrais les citer ad vitam aeternam. Je fais allusion à ces 85 projets que nous avons dans nos cartons, petits et grands, publics ou privés, que nous pilotons. Alors, je pourrais citer cette maison senior que nous avons en projet à l'emplacement de l'ancienne gendarmerie, accompagnée d'une maison de santé et d'une salle communale pour le club des aînés. Je pourrais citer ce projet de logement haut de gamme rue Pablo Neruda, dont le rez-de-chaussée sera destiné à accueillir probablement la poste, les locaux de la police municipale et des commerces. Je pourrais citer l'aménagement du secours populaire. Je pourrais citer cette salle de repos et de repas destinée aux élus, aux agents de la collectivité du centre du CTM, etc. Alors, aujourd'hui, tu vas t'éloigner un peu de nous, mais n'oublie pas de revenir au port. Nous sommes sur l'embarcadère et nous scrutons l'horizon. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur Degès me fait observer que j'ai oublié de désigner une secrétaire de séance, Marie-France Taburiau. C'est d'accord, merci. Alors, nous allons procéder à l'élection du maire. Il est élu au scrutin secret et à la majorité absolue,
parmi les membres du conseil municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. La majorité se calcule non pas par rapport à l'effectif légal du conseil municipal, mais par rapport au nombre de suffrages exprimés, des comptes faits, des bulletins blancs et nuls. Parmi les conseillers municipaux, se présente aux fonctions de maire de la commune de Saint-Aurès, M. Serge Jope. Y a-t-il d'autres candidats ? Apparemment, il n'y en a pas. Nous avons désigné un assesseur pour la majorité, c'est Élise Rimbaud. La minorité veut-elle désigner deux assesseurs ? Madame Leclerc et Rachida Arach. Les bulletins et les enveloppes sont sur la table de déchargement. Vous savez que le passage par l'isoloir est obligatoire. Il y a quatre isoloirs et par conséquent, nous allons pouvoir accélérer le rythme. Madame Taburio, vous avez la parole. Les quatre suivants, donc Monsieur André Puy, Madame Josie Lassus-Piga, Madame Carole Fabre-Candeba et Monsieur Jean-Luc Dupressoir qui est représenté par Monsieur Benara. Oui, alors les quatre suivants. Alice Valera, le représentant d'Alice Valera. Pierre Audoubert, Geneviève Fernandez et le représentant de Françoise Texier. C'est le représentant. Pour Dupressoir. Ah, pour Dupressoir. Et Madame Lassus-Piga.
Bouga, elle a voté. Oui, c'est redondant, je fais sa procuration. Pardon, ça va jusqu'à là. Alors ensuite, Dominique. Dominique, Artari, Bouzeille, Benara. Oui, il y a Geneviève Fernandez. Monsieur Oudoubert avec moi. Pierre Audoubert, c'est toi, tu signes pour toi ou pour Alice, Alice. Pour Alice. C'est Pierre Audoubert. Arrêtez. Pierre Audoubert, et Ben, il a voté pour toi. Pour l'instant, il a voté que pour du pressoir. Voilà. Après, Pierre, il a voté. Et oui, parce qu'il se suit, c'est par ordre. Oui, alors, Geneviève Fernandez, Geneviève Fernandez. Oui. Geneviève Fernandez. Les quatre suivants, Dominique Faure, Thierry Arcari, Colette Crouzeil, Ben Arat. C'est secrétaire de séance. J'ai dit, mais j'ai déjà. Les quatre suivants, Fabien Jacquel, Anissé Kounougous, Sophie Clément, Florence Ozenak. Les quatre suivants, Agnès Mestre, David Renvasé, François Hubeda, David Andrieux. Semestre, c'est bon. David Renvasé. David Andrieux a voté. Les quatre suivants, Élise Rimbaud,
Samia El-Marzouki, Béatrice Delpi et la représentante de Madame Aude Lumeau-Préceptis. Les suivants, Louis-Antoine Vergniaud, Marc Moreau, Catherine Leclerc, Olivier Artero, il en reste une, je le dis, oui, et vous attendrez parce qu'il n'y en a que quatre, et Rachida Haradj. Tout le monde a voté, on va procéder au dépouillement. Tu me marqueras. Les résultats à haute voix. Hein. Oui, à haute voix. Hein. Il est ouvert. On va compter.
Donc il y a 33. Voilà. Maintenant, on va ouvrir les enveloppes une par une et on va. Oui. Ils ouvrent et c'est un qui... Et vous dites ce qu'il y a. Vous dites le nom. D'accord. Moi, c'est moi qui. Alors, on va en prendre. Oui, vous dites. Okay. Alors, chaque enveloppe, les unes. Attendez, attendez, une par une. Parce que sinon, on peut se mélanger. D'accord. Monsieur Serge Jope. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Monsieur Serge Jope. Bulletin blanc. Monsieur Serge Jope. Monsieur Serge Jope. Monsieur Serge Jope. Monsieur Serge Jope. Il faut compter là. Ne mélangez pas. Attends, qu'est-ce que tu viens d'en ouvrir ? Faut que tu les ouvres là. Attends, c'est les enveloppes vides. On les met là. Serge Jope, monsieur. Monsieur Serge Jope. Monsieur Serge Jope. Ne mélangez pas trop. Attendez. Monsieur Serge Jope. 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 Attendez. Chut, doucement. Monsieur Serge Jope. 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 Vote blanc. Doucement. Attendez. C'est bon ? Doucement. Et pas tous en même temps. Et l'autre qui monte, il pose. Monsieur Serge Jope. Monsieur Serge Jope. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Monsieur Serge Jope. Monsieur Serge Jope.
Oui, oui, recomptez. Combien tu en as compté? 7. Hein? Et 7. 26 bulletins pour Monsieur Serge Jope et 7 bulletins blancs. Marie-France. Il y a 26 suffrages exprimés, 33, 26 exprimés et 7 bulletins blancs. Hein. 7 bulletins blancs, oui. Alors, voici donc les résultats du scrutin. Nombre de votants, 33. Suffrages exprimés, 26. Blanc, 7. Serge Jope, 26 voix. Monsieur Serge Jope est donc proclamé maire de Saint-Orens-de-Gameville et je l'invite à venir rejoindre le siège du maire. Je pense que vous allez pouvoir aller vous rasseoir, les enfants, si vous voulez. Oui, allez vous rasseoir. Je crois, je ne sais pas trop. On fait des bulletins. Avec plaisir. Soit difficile, vous savez. On fait quoi des bulletins là? Pardon? On fait quoi des bulletins? Les bulletins, il y a quand même. Les deux urnes, d'accord. C'est bon, reste là. Je vais le faire ainsi. Madame la ministre, Madame le ministre. Non, je pense que Dominique préfère le ministre. Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chers membres du Conseil municipal des enfants, chères Saint-Oranaises, chers Saint-Oranais, chers amis, bien que je n'ai pas encore pris, et ça me paraît évident, la dimension totale de la fonction, je mesure pleinement la confiance et l'honneur qui me sont faits en me portant ce soir à la magistrature suprême de notre ville. Et j'en remercie très sincèrement les conseillers municipaux qui m'entourent. Mais qui avez-vous devant vous? Certains d'entre vous me connaissent, d'autres moins. Alors, pour situer votre nouveau maire, sachez sommairement que je suis né dans le département voisin du Tarn-et-Garonne, que je me suis marié en 1969, ici à Saint-Orens, où résidaient mes beaux-parents, et que mon épouse, moi-même et notre fille, y retournions depuis régulièrement, plusieurs fois par an. Mon parcours professionnel. Pyrotechnicien de formation, j'ai effectué toute ma carrière d'officier sur le terrain ou en état-major, en France ou à l'étranger, sur la quasi-totalité des pays ou des territoires d'opération où les troupes françaises étaient déployées et où
avec lesquels, parfois, nous avions des accords. Des, plus loin, accords, au cas où. Cela m'a permis de connaître moult contrées, moult civilisations différentes et apporter un prodigieux enrichissement humain. Au fil des mutations, j'ai dirigé plusieurs établissements militaires employant civils et militaires et j'ai également été le représentant de la France auprès de l'OTAN et de l'ONU. Diplômé renseignement de langue et breveté de l'enseignement militaire supérieur, j'ai terminé ma carrière comme colonel à l'administration centrale. Et, au début du nouveau millénaire, retraité, nous sommes revenus vivre au pays et je suis conseiller municipal depuis 2008, adjoint au maire depuis 2014 et conseiller métropolitain depuis 2020. Cette parenthèse étant refermée, place donc désormais à l'action, à l'accomplissement des projets, et ils sont nombreux, vous le savez tous et vous l'avez entendu, pour notre bonne ville de Saint-Orens. Si assumer la succession de Dominique Faure n'est pas insurmontable, la tâche s'avère sinon difficile, du moins délicate. Vous l'avez tous compris, et d'autant mieux ressenti, après les interventions de notre nouvelle députée devenue secrétaire d'État, puis celle du premier adjoint, doyen de notre Assemblée. Mesdames et messieurs, le mandat de maire est le plus beau des mandats, comme le disent tous ceux, modestes ou grands serviteurs de notre pays, qui ont eu le bonheur d'exercer cette fonction. Elle permet une relation spécifique avec chacun d'entre vous, avec votre quotidien, quel qu'il soit et qui que vous soyez, quelle que soit votre demande, votre vécu, votre situation. En fait, c'est simplement un partage du quotidien. Nous avons le bonheur de vivre dans une ville paisible, une ville où il fait bon vivre et où beaucoup aspirent à habiter. Une ville où l'on s'efforce de partager et de co-construire nos grands projets, ce qui prouve bien que lorsqu'on dépasse les clivages politiques et que l'on décide sans a priori de porter des valeurs et de faire avancer les choses, on peut y arriver. Et pour ce faire, une équipe municipale compétente et soudée est en place. Ce sont les mêmes conseillers municipaux que les électeurs ont choisis pour constituer le conseil municipal il y a un peu plus de 2 ans. Les élus qui sont devant vous sont là pour que, progressivement, votre quotidien de Saint-Oranais, continue de se transformer et de s'améliorer. Quel que soit notre âge et notre situation, nous sommes là pour préparer l'avenir de nos enfants, aider nos aînés et nos concitoyens en difficulté, et bien sûr, maintenir longtemps le bien vivre ensemble à Saint-Orens. Le pragmatisme, la proximité, c'est aussi accompagner les mutations et savoir les anticiper. Et la période qui nous attend nous oblige, peut-être encore plus qu'auparavant, à la plus grande humilité. Je dois ajouter, et je parle d'expérience, que tout cela, bien sûr, ne serait possible sans la compréhension et l'aide de nos conjoints. Je voudrais ici, à mon nom personnel, et je pense celui de toute notre équipe, leur témoigner notre gratitude pour la patience et la tolérance dont ils font preuve en acceptant de vivre auprès d'un élu. Bref, puisque le projet initial porté par notre équipe a été lancé et qu'il se déroule comme prévu, en faisant nôtre cette réflexion de Winston Churchill, entendu récemment encore, qui écrivait « Là où se trouve la volonté, il existe un chemin. » Alors je conclurai mon intervention en vous disant « Le sillon est tracé, les moyens sont en place, alors simplement 2 mots, en avant. » Je vous remercie de votre attention et nous allons maintenant poursuivre l'ordre du jour de notre conseil municipal.
La délibération étant passée, oui, Antoine, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Au nom du groupe d'opposition, je souhaitais vous féliciter pour votre élection à la tête de notre commune. Nous souhaitons également vous réitérer notre volonté de travailler à vos côtés et aux côtés de la majorité municipale pour le bien-être des Saint-Oranaises et des Saint-Oranais. En tant qu'adjoint au maire, vous avez toujours fait preuve de justesse dans l'animation des débats et vous avez su être à l'écoute de nos interventions. Nous connaissons votre droiture et ne doutons pas que vous continuerez en tant que maire à porter attention à nos alertes et à nos questions. Une nouvelle phase s'ouvre pour notre commune et nous faisons le vœu que chacun des membres du conseil municipal fera preuve d'ouverture d'esprit, d'écoute et de transparence. Les différentes séquences politiques de notre pays ces derniers mois ont montré une inquiétude et une forme de désespérance de nos concitoyens. Nous devons donc, y compris et surtout à l'échelle communale, apporter des réponses. Notre mandat d'élu local nous oblige et exige que nous rendions des comptes. Vous pouvez donc compter sur l'opposition municipale pour vous soutenir dans les projets pertinents, comme nous savons pouvoir compter sur vous pour entendre nos alertes. Je vous remercie. Merci, monsieur Vergnon. Bien. Nous passons à la délibération numéro 2. En vertu de l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales, nous devons procéder à la fixation du nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre soit supérieur à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le nombre de conseillers municipaux est de 33, dont le maximum d'adjoints au maire est de 9. Il est donc proposé de fixer le nombre d'adjoints à 9. Il existe, je pense, une liste. Donc, si tel est votre avis, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, pas deux, trois. Combien de procurations avec? 4, 5. Bon. Donc, 6 abstentions. Si il y a des procurations, il y a 6 abstentions sur 7 et une non-abstention. Donc, adopté à la majorité. Merci. Délibération numéro 3. Je rappelle que les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le maire et les adjoints entrent en fonction dès leur élection par le conseil municipal. Nous allons donc faire de nouveau appel aux scrutateurs. Il s'agit d'un scrutin de liste qui se fait à bulletin secret. Donc je redis les quatre premiers, Jean-Pierre Godefroy, Marie-France Taburiot, Serge Jop, Étienne Lourme. Pardonnez-moi, c'est le béotien débutant. Est-ce qu'une seconde liste est déposée?
non, c'est la liste des adjoints. Bon, j'en déduis qu'il n'y a pas de seconde liste déposée. La liste comprend les noms suivants. Jean-Pierre Godefoy comme premier adjoint, Carole Fabre-Candeba comme deuxième adjoint, Anissé Kounougous comme troisième adjoint, Colette Crouzeille comme quatrième adjoint, Étienne Lourme comme cinquième adjoint, Josiane Lassus-Piga comme sixième adjoint, Jean-Luc Dupressoir comme septième adjoint, Agnès Mestre comme huitième adjoint, André Puy comme neuvième adjoint. Le vote peut commencer. Les quatre suivants, André Puy, José Lassus-Piga, Carole Fabre-Candeba, Jean-Luc Dupressoir, sont représentants. Alors, Serge Godefoy a voté, Serge Jop a voté, Étienne Lourme a voté. Oui. Les quatre suivants, le représentant d'Alice Valera, Pierre Audoubert, Geneviève Fernandez, le représentant de Françoise Texier. Alors, qui c'est lui ? Dupressoir. Jean-Luc Dupressoir. Les quatre suivants, Dominique Faure, Thierry Arcari, Colette Crouzeille, Ben Ra. Madame Geneviève. Et pour Madame Geneviève Fernandez. Les quatre suivants, Fabien Jacquel, Anissé Kounougous, Sophie Clément, Florence Ossenac.
Les quatre suivants, Agnès Mestre, David Renvazé, François Hubeda, David Andrieux. Les quatre suivants, Élise Rimbaud, Samia El-Marzouki, Béatrice Delpy et la représentante de Madame Aude Lumeau-Préceptis. David Renvazé. Louis-Antoine Vergniaud, Marc Moreau, Catherine Leclerc, Olivier Artero et Rachida Aradj. Il y en a un autre encore. La liste qui s'est présentée ? Liste complète. Oui, c'est nul. D'accord, merci.
Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Blanc. 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 Liste complète. Blanc. Liste complète. Blanc. Liste complète. Blanc. Blanc. Liste complète. 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 Et enfin, liste complète. Donc on va recompter. Donc 26 bulletins liste complète et 7 bulletins blancs. Pardon ? Oh, d'accord, oui. Bien, résultat de l'élection, 33 votes, 26 pour la liste complète, dont je donnerai les noms tout de suite après, et 7 blancs. Donc, sont élus à l'unanimité M. Jean-Pierre Godefroy, premier adjoint, Mme Fabre Candeba, deuxième adjoint, M. Anissé Kounougous, troisième adjoint, Mme Colette Crouzeil, quatrième adjoint, Monsieur Étienne Lourme, cinquième adjoint, Madame Josiane Lassuspiga, sixième adjoint, Monsieur Jean-Luc Dupressoir, septième adjoint, Madame Agnès Mestre, huitième adjoint, Monsieur André Puy, neuvième adjoint. J'invite donc les nouveaux adjoints
à me rejoindre dans l'ordre que je viens d'indiquer afin que je puisse leur remettre leur écharpe de maire adjoint. Merci. Il y a écrit 3 là. Il y a écrit 3 là. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Donc chiffre 6. Non. C'est dans l'ordre. Jean-Luc Dupressoir. Voilà. Voilà. Il a
Il n'y a pas d'écharpe. Agnès. Et Serge. Serge. Il faut pas couper là. Au milieu. Couper les micros. Bien, passons aux choses sérieuses. Délibération numéro 4, établissement du tableau des indemnités de fonction des élus municipaux. Le montant de l'enveloppe maximale est constitué de l'indemnité du maire plafonnée pour les communes de notre strate à 65% de l'indice terminal brut et pour celle des adjoints à 27,5% de ce même indice. Il est rappelé que les indemnités suivantes sont allouées au maire 33,50% de l'indice brut terminal, pour les adjoints 17,228% du même indice, pour les conseillers municipaux porteurs de délégation 7,20% et pour les conseillers municipaux 1,25% de l'indice brut terminal. Il vous est donc proposé aujourd'hui de voter ces barèmes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 5. Fixation du nombre de membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Le Centre communal d'action sociale de Saint-Aurens est un établissement public autonome dont l'organisation institutionnelle est duale. L'Assemblée délibérante du CCAS, le Conseil d'administration, qui doit comprendre en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le Conseil municipal à la représentation proportionnelle et 8 membres nommés par le maire parmi des personnes non membres du Conseil municipal et qui sont issues de la société civile. Il est proposé donc de fixer le nombre à 16, réparti comme suit. 8 parmi le collège du conseil municipal, 8 qui sont désignés par le maire et issus de la société civile. La liste qui vous est proposée, non, je dois d'abord faire voter la fixation du nombre. Qui est contre? Qui s'abstient?
adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Il s'agit maintenant d'élire les représentants. C'est la délibération numéro 6. Le conseil municipal doit élire 8 membres, je viens de le dire, en son sein au scrutin de liste. Cela représente pour une élection de 8 membres, 6 délégués issus de la majorité municipale et 2 délégués issus de la minorité municipale. Le scrutin est obligatoirement secret, sans qu'il puisse y être dérogé par l'accord unanime des conseillers municipaux. Donc, si vous voulez bien reprendre vos emplacements respectifs. Merci. Tu as la liste ? Oui, j'ai la liste. Alors, se présente au conseil d'administration du CCAS pour la majorité, le maire qui est président, monsieur Anis Ekounougous qui sera vice-président, madame Marie-France Taburio, madame Alice Valera, madame Geneviève Fernandez, madame Françoise Texier et monsieur Pierre Audoubert. Pour la minorité, madame Béatrice Delpit et monsieur Louis-Antoine Vergnon. Le vote peut commencer. J'appelle donc les 4 premiers. Jean-Pierre Godefroy, Marie-France Taburio, Serge Jop, Étienne Lourme. Les 4 suivants, André Puy, Josie Lassuspiga, Carole Fabre-Candeba, Jean-Luc Dupressoir, le représentant. Représentant de Madame Alice Valera, Pierre Audoubert, Geneviève Fernandez et représentant de Françoise Texier. Madame Dominique Faure, Thierry Arcari, Colette Crouzeille, Ben Arat. Madame Françoise Texier a voté. Merci, madame. Yes, mais je compte bien, tu sais. Après ça, on a fini. Fabien Jacquel, Anis Ekounougous, Sophie Clément, Florence Ossenac.
Agnès Mestre, David Renvazé, François Ubeda, David Andrieux. Élise Rimbaud, Samia El Marzouki, Béatrice Delpy et le représentant de Madame Aude Lumeau Préceptis. C'est pour monsieur. Madame Lumeau, pardon. Louis-Antoine Vergniaud, Marc Moreau, Catherine Leclerc, Olivier Artero et Rachida Haj. Allez, pour vous-même, allez, c'est bon. Thank you.
complète. Liste 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 complète. Et liste complète. Trente-deux bulletins, liste complète et un bulletin blanc. Résultat du vote. C'est bon, ça passe. Donc, 26 listes complètes. Ah, pardon. 32 listes complètes, un bulletin blanc. La liste complète est élue à l'unanimité. Majorité. Puisqu'il y a un blanc. Un blanc compte comme s'il était unanimité. Ce n'est que lorsqu'on vote contre qu'il y a un vote contre et une majorité qui est à ce moment-là obtenue. J'en profite pour rectifier ce que j'ai dit lors du premier résultat où j'ai annoncé élu à la majorité. Donc ça sera rectifié, M. Gus, je pense, sur la première. Hein. Il s'agit d'une élection à l'unanimité également. Lorsqu'il y a des bulletins blancs, ceux-ci ne sont pas comptés contre, bien évidemment. Donc, c'est unanimité. Je rappelle donc le nom des personnes. Anissé Kounougouz, Marie-France Taburio, Alice Valera, Geneviève Fernandez, Françoise Texier, Pierre Audoubert, Béatrice Delpy et Louis-Antoine Vergniaud. Merci. Nous passons à la délibération numéro 7. Délégation accordée au maire en application des dispositions de l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Pour une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes de la commune, le législateur offre la possibilité au conseil municipal de déléguer au maire certaines de ses attributions limitativement énumérées à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriale. Ainsi, le conseil municipal peut décider de donner délégation au maire en tout ou partie pour la durée de son mandat dans les domaines de compétences suivants. Alors, je ne vais pas les lire ni les citer parce qu'il y en a 29, mais chacun des adjoints et des conseillers a devant lui l'ensemble des délégations qui peuvent être accordées. Je rappelle qu'il y en a 29. Il est également proposé qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, la compétence ne soit pas exercée par le conseil municipal, mais par les adjoints dans l'ordre des nominations afin de ne pas pénaliser l'action municipale. Enfin, dans cette même optique d'efficacité dans la gestion des affaires de la commune, il est précisé et accepté que le maire organise par arrêté les subdélégations de signatures qu'il jugerait opportunes. Nous allons procéder au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 8, création de commissions municipales permanentes et élection de leurs membres. Toujours le même article permet au conseil municipal de constituer en son sein des commissions permanentes
composé exclusivement de conseillers municipaux chargés d'étudier les questions soumises au conseil. Il est donc proposé de créer les commissions municipales permanentes suivantes: finances et ressources humaines, aménagement urbain, travaux, voirie et mobilité, action sociale, intergénérationnalité et solidarité, politique de santé publique et nutrition. Je vais donc vous donner lecture de leur composition. Commission finances et ressources humaines. Pour la majorité, Alice Valera, vice-présidente, Pierre Audoubert, vice-président, Jean-Pierre Godefroy, Carole Farre, Candeba. Suppléant, Colette Crouzeille, non, c'est pas suppléant, c'est membre également, Colette Crouzeille, Josie de la Suspiga, Étienne Lourme et Samia El Marzouki. Pour la minorité, Aude Lumeau Préceptis, Marc Moreau et Rachida Arach. Je pense qu'on va les voter toutes globalement, à moins que vous y soyez opposés. Donc je cite simplement les différentes commissions et la composition, et on les votera globalement, à moins que vous ne vouliez qu'on en détache une. L'aménagement urbain. Colette Crouzeille, vice-présidente, Jean-Pierre Godefroy, Anissé Konougouz, Étienne Lourme, Jean-Luc Dupressoir, Florence Ossenac, Geneviève Fernandez, Françoise Texier. Aude Lumeau Préceptis, j'ai un trou, excuse-moi, Catherine Leclerc, excuse-moi, et Rachida Haj. Travaux, voiries et mobilité, Étienne Lourme, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Luc Dupressoir, Agnès Mestre, André Puy, Geneviève Fernandez, David Ranvazé, Fabien Jacquel, Marc Moreau, Louis-Antoine Vergniaud, Rachida Haj. Action sociale, intergénérationnalité et solidarité, Anissé Konougouz, vice-président, Marie-France Taburio, Alice Valera, Pierre Audoubert, Françoise Texier, Françoise Ossenac, David Ranvazé, François Hubeda, Béatrice Delpit, Louis-Antoine Vergniaud et Olivier Artero. Politique de santé publique et nutrition, Carole Fabre-Candeba, vice-présidente, Agnès Mestre, vice-présidente également, Anissé Konougouz, José Suspiga, Marie-France Taburio, Alice Valera, Françoise Texier, Samia El Marzouki, Marc Moreau, Béatrice Delpit, Olivier Artero. Donc, nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Délégation numéro 9. Création de commissions extra-municipales et désignation de leurs membres. L'article 2143-2 du Code général des collectivités permet de créer des commissions extra-municipales appelées dans le texte comité consultatif, composées d'élus du conseil municipal et de personnes extérieures afin de permettre la participation des habitants à la vie locale. Le maire donc propose de créer des commissions au nombre de 5 dénommées telles que suit: culture et patrimoine, petite enfance, enfance, éducation et jeunesse, sport, économie et emploi, ville et environnement. Et les membres proposés sont le même principe, on va toutes les citer et puis on votera globalement si vous ne voyez pas d'inconvénient. Culture et patrimoine, David Andrieux, vice-président, Carole Candeba, Colette Crouzeille, Agnès Mestre, André Puy, François Texier, David Ranvazé, Élise Rimbaud, Béatrice Delpit, Marc Moreau, Olivier Ortero. Petite enfance, enfance, éducation et jeunesse, Josie La Suspiga, vice-présidente, Sophie Clément, vice-présidente, Carole Fabre-Candeba, Marie-France Taburio, Alice Valera, Florence Ossenac, François Hubeda, Élise Rimbaud, Aude Lumeau Préceptis, Catherine Leclerc, Olivier Artero. Sport, André Puy, vice-président, Josie La Suspiga, Étienne Lourme, Pierre Audoubert, Françoise Texier, Ben Arat, David Ranvazé, François Hubeda, Louis-Antoine Vergniaud, Marc Moreau, Rachida Arach. Économie et emploi, Françoise Texier, vice-présidente, Anissé Konougouz, Colette Crouzeille, Étienne Lourme, André Puy, Geneviève Fernandez, David Andrieux, Élise Rimbaud, Louis-Antoine Vergniaud, Catherine Leclerc, Rachida Arach.
Ville et environnement, Agnès Mestre, vice-présidente, Carole Fabre-Candebat, Jean-Luc Dupressoir, André Puy, Geneviève Fernandez, Françoise Texier, Florence Ossenac, David Andrieux, Béatrice Delpit, Catherine Leclerc et Olivier Artero. Qui s'exprime contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 10, création de la commission mixte consultative du marché de plein vent. La composition de cette commission mixte consultative de marché de plein vent a été fixée comme suit. 3 membres titulaires et 3 membres suppléants issus du conseil municipal et 3 membres titulaires et 3 membres suppléants issus des commerçants du marché. Les membres extérieurs seront fixés par arrêté du maire. Titulaire, Josie Lassus-Piga, présidente, André Puy, Françoise Taxier, suppléant, Étienne Lourme, Alice Valera, Pierre Audoubert. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Création de la Commission consultative des services publics locaux, CCSPL. Conformément à l'article L1413-1 du Code général des collectivités, la ville doit se doter d'une commission consultative des services publics locaux. Cette commission doit comprendre des membres du conseil municipal et des représentants des associations locales et usagers nommés par le conseil municipal. La composition de la commission est votée à scrutin secret par défaut ou elle peut être votée à scrutin ouvert si le conseil municipal le décide à l'unanimité. Qui est-ce qui est contre? Donc, on le fait à scrutin ouvert. Je vous propose la liste suivante. Madame Lassus-Piga, Madame Alice Valera, Madame Sophie Clément, Monsieur François Ubeda, Madame Élise Rimbaud, Madame Sophie Elmarzouki, Madame Béatrice Delpit et Monsieur Olivier Artero. Les associations, on y verra par la suite, je vous les cite pour mémoire, Amicale Laïque, Arexa, Saint-Torens Football Club, Retraite Sportive, Sobat Badminton, AVF, Secours Catholique, Sonne, Saint-Torens Environnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 12. Création de la commission d'appel d'offres, la CAO. La CAO intervient dans le processus d'attribution des marchés publics. Et conformément à l'article 14.11.5 du Code général des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres est composée du maire ou de son représentant, président, et de 5 membres du conseil municipal élus en son sein. Nous devons donc procéder à l'élection de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants. Nous avons décidé, enfin je pense que je ne vais pas le répéter, hein, maintenant on peut le faire à main levée. Commission d'appel d'offres titulaire, bon, mis à part le maire qui est président, Alice Valera, Étienne Lourme, Jean-Luc Dupressoir, André Puy, suppléant, Anissé Kounougous, Pierre Audoubert, Thierry Arcari, François Ubeda. Membre également Marc Moreau, suppléant Olivier Artero. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 13. Création d'une commission d'appel d'offres dédiée au 4e groupe scolaire et élection de ses membres. Par délibération du 29 mars 2022, le conseil municipal a approuvé la création de cette CAO spéciale 4e groupe scolaire et a procédé à l'élection de ses membres. Mais il convient, puisque nous avons fait une nouvelle élection, de procéder au renouvellement de la composition de cette commission. Donc, je rappelle, 4 titulaires, 4 suppléants issus de la majorité municipale et 1 titulaire et 1 suppléant issus de la minorité. Titulaire, le maire, Madame Lassus-Piga, Monsieur Étienne Lourme, Jean-Luc Dupressoir et Madame Sophie Clément. Monsieur Moreau, suppléant, Anissé Kounougous, Pierre Aubert, Thierry Arcari, François Ouibeda et Olivier Artero. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Création de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. C'est la délibération numéro 14. Il convient de créer une commission communale, conformément à l'article 2143-3 du Code général des collectivités
Une commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées, qui a pour rôle de dresser le constat de l'état d'accessibilité des espaces verts communaux et du cadre bâti existant. Je vous propose de fixer à 9 le nombre des membres de cette commission, le maire est membre de droit, 4 représentants du conseil municipal et 4 représentants d'associations de personnes handicapées, âgées et d'usagers. Ces membres extérieurs seront bien évidemment nommés par arrêté du maire. Je vous propose, pour le conseil municipal, comme représentant en président délégué, David Dranvazé, membre André Puy, Alice Valera, Catherine Leclerc. Les personnes qualifiées, on les nommera par la suite. Qui vote contre, qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Création de la commission de délégation de services publics, élection de ses membres, c'est la DSP, c'est la délibération numéro 15. Cette commission est chargée, pour les collectivités territoriales, d'analyser les dossiers de candidature et de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service public, à l'égalité des usagers devant le service public. La commission de délégation des services publics est composée du maire de son représentant, qui est président, de 5 membres du conseil municipal, élus en son sein. Composition proposée, Madame Lassus-Piga, vice-présidente, en plus du maire, Alice Valera, Sophie Clément, Samia El Marzouki, Béatrice Delpi, suppléant Jean-Luc Dupressoir, Anissé Kounoubous, Carole Fabre-Candeba, Agnès Mestre, et suppléant également Madame Arach. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Élection d'un délégué à l'éducation au sein du conseil d'école maternelle du Corail, mais pas que le Corail, parce qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de pages là qui suivent derrière, on va essayer de les passer ensemble, je vais les citer tout simplement. Pour ces différentes délégations, éducation sont élus et répartis selon les modalités suivantes. 2 délégués au sein du conseil d'administration du lycée Pierre-Paul Riquet, 2 délégués au sein du conseil d'administration du collège Cassin, 2 délégués au sein du conseil d'administration du collège Jacques Prévert, 1 délégué au sein du conseil d'école de l'école maternelle Henri Puy, 1 délégué au sein du conseil d'école de l'école élémentaire Henri Puy, 1 délégué au sein du conseil d'école maternelle Catala, 1 délégué au sein du conseil d'école de l'école élémentaire Catala, 1 délégué au sein du conseil d'école de l'école maternelle du Corail et 1 délégué au sein du conseil d'école élémentaire du Corail. Donc, sont proposés pour le lycée Pierre-Paul Riquet, José Lassus-Piga et François Ubeda. On passera en même temps d'ailleurs la commission hygiène et sécurité pour les mêmes personnes et au même endroit, au lycée Pierre-Paul Riquet, José Lassus-Piga et François Ubeda. Pour le collège Cassin, titulaire José Lassus-Piga et François Ubeda, suppléant Françoise Ossenac et Sophie Clément. Pour le collège Jacques Prévert, titulaire José Lassus-Piga et François Ubeda, suppléant Françoise Ossenac et Sophie Clément. Pour l'école Henri Puy, maternelle, Carole Fabre-Candebra. Et pour Henri Puy, élémentaire, également Carole Fabre-Candeba. Pour Catala maternelle et Catala élémentaire, Benarat. Pour Corail maternelle et Corail élémentaire, Élise Rimbaud. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. On vient de passer Paul Riquet. On saute donc à la délibération, merci à vous, à la délibération numéro 25. Non, je l'ai déjà passé puisque c'était la commission d'hygiène et sécurité. On va à la 26 et on va parler de structure intercommunale. Élection des représentants de la ville au syndicat mixte pour la réhabilitation de l'ancienne décharge de Drémil-Lafage. Élection des représentants de la ville, on va faire pareil, au syndicat du bassin Erchirou. À la commission territoriale du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne, secteur géographique de Fourquevaux, c'est le SDEG. Les représentants des 4 communes. Et on s'arrête là. Donc, les noms.
Pour l'ancienne décharge de Drémil Lafage, Jean-Luc Dupressoir et Némestre, suppléant Jean-Pierre Godefroy, Geneviève Fernandez. Pour le syndicat du bassin, Hers Giroux, titulaire Carole Fabre Candeva, Agnès Mestre, suppléant Jean-Luc Dupressoir, Geneviève Fernandez. Pour le SLEG, Étienne Lourme et Jean-Luc Dupressoir. Pour les quatre communes, Josie Lassuspiga et André Puy. Pour l'ensemble de ces noms, qui vote contre, qui s'abstient, élu à la majorité ou désigné à la majorité. Élu à l'unanimité. Merci. Élection des représentants de la ville au conseil d'administration de l'EHPAD Augustin Labouille. C'est la délibération numéro 30. La ville est représentée au sein du conseil d'administration de la maison de retraite Augustin Labouille par la maire, membre de droit, et par deux délégués titulaires. Les heureux élus sont Carole Fabre Candeva et Françoise Texier, plus le maire bien sûr, qui vote contre, qui s'abstient, élu à la à l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 31, il s'agit d'élire un représentant du correspondant, un représentant de la ville auprès de l'ONAC. Nous proposons la candidature de Monsieur Jacquel, qui vote contre, qui s'abstient, élu à l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 32, il s'agit d'élire un correspondant en matière de défense. Je propose la candidature de M. Jacquel également, qui vote contre, qui s'abstient, élu à l'unanimité, je vous remercie. Élection du correspondant de la ville en matière de sécurité routière. Nous sommes arrivés déjà à la délibération numéro 33. En 2020, l'État a invité les communes à désigner un correspondant sécurité routière. Ce correspondant est le relais privilégié entre les services de l'État et les autres acteurs locaux et veille à la diffusion des informations relatives à la sécurité routière. En conséquence, il est proposé la candidature de M. Jean-Pierre Godefroy, qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 34, élection du correspondant de la ville auprès de l'AUAT. La ville est membre de l'Agence d'urbanisme et d'aménagement du territoire, c'est l'AUAT. Elle y est représentée par un délégué. L'AUAT est un outil technique destiné à accompagner le développement de l'aire urbaine de Toulouse. Nous avons avec eux un programme partenarial concernant entre autres l'aménagement urbain de notre ville. Il convient de procéder à l'élection de nouveaux correspondants de la ville auprès de l'AUAT. Il est proposé la candidature de M. Godefroy, qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 35. Demande de renouvellement de licence d'entrepreneur de spectacle de catégorie 2 et 3. En raison des activités culturelles que l'on propose tout au long de l'année, la ville peut être considérée comme entrepreneur de spectacle vivant, c'est-à-dire qu'elle exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacle, de production ou de diffusion de spectacle. Cette activité est soumise à l'obtention d'une licence lorsque l'entrepreneur de spectacle vivant organise un nombre de spectacles qui dépasse un certain seuil. Cette licence a pour objet de vérifier la régularité de la situation. Elle est personnelle et incessible. Cette désignation est valable pour une période de 6 mois au maximum, le temps pour la commune de demander et d'obtenir une nouvelle licence auprès de la DRAC Midi-Pyrénées. Il vous est donc demandé de désigner le maire comme titulaire temporaire des licences d'entrepreneurs de la commune, le temps que la DRAC utilise le dossier et délivre les nouvelles licences conformément à l'article L71-22-5 du Code de travail. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 36, approbation des modalités de mise en œuvre du droit à la formation des élus. Les conseillers municipaux bénéficient d'un droit de formation adapté à leurs fonctions. Le montant total des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction alloués aux élus de la collectivité. Pour l'exercice 2022, un crédit de 11 000 euros est ouvert au titre de ces dépenses. Ce montant pourra éventuellement être augmenté en cours d'exercice
par décision modificative pour prendre en charge les demandes de formation formulées par les conseillers municipaux sans toutefois dépasser la limite autorisée par l'article 21-23-14, alinéa 3 du code précité. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Modalité de remboursement des frais de représentation du maire. Le maire expose à l'Assemblée qu'il peut être amené, on reprend ce qui avait été déjà voté là, récemment, qu'il peut être amené à engager des dépenses qu'il supporte personnellement alors qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses fonctions de représentation. Le montant annuel maximum prévu à cet effet est de 1 000 euros sur la ligne 65-36. Le remboursement de ces frais sera fait sur présentation de facture et par mandat administratif. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Désignation des représentants de la ville au conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires de la SPL Antigone. Le 7 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé la transformation de la SEM Altigone en SPL Altigone et a procédé à la désignation parmi le collège des élus du conseil municipal, des membres du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Il convient donc de procéder maintenant à une nouvelle désignation de ses membres. Donc, sont proposés, outre le maire, M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Carole Fabre-Candebat, Mme Colette Crouzeille, M. André Puy, Mme Alice Valera, Mme Françoise Texier, M. Thierry Arcari, M. David Ramazé, M. François Ubeda et M. David Andrieux, Mme Béatrice Delpit, M. Marc Moreau et Mme Arach Rachida. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. C'est fini ? On a fait le tour. Mon premier conseil municipal, dont celui-ci est maintenant terminé, je vous remercie encore et je vous assure que cela me fait très chaud au cœur d'avoir cette écharpe et d'avoir succédé à notre cher Dominique Faure, 12 ans ensemble. Et maintenant, je vous invite tous, tout simplement, au pot de l'amitié. Merci et bonne soirée.